Non mais regarde le sprimeur. Tiens, encore un qui met le cap sur la réserve. Louisa, tu sais ce qu'on devrait faire un jour? Non. On se sabre grandiose et on y va nous aussi à la réserve. T'es folle. Ça coûte une fortune. Bah, et alors? On veut bien gasser notre tirure. Tu sais, une glace et un verre d'eau, c'est pas le bout du monde. Mado, je t'ai déjà dit que je voulais plus remettre les pieds à la réserve. Tu veux un petit bout de chocolat? Non, merci. Bah, au moins, mets-toi un maillot. J'ai pas envie. Alors, tu manges plus, tu ris plus, t'aimes plus le soleil. Ah bah, dis donc, on peut dire que cette rue-ci, le grand amour, hein? Bah oui. Tiens, quand on parle du loup. Salut, les filles. Salut. On bronze? Eh ben on profite de la pause, hein, parce que nous, on bosse. Et toi, tu bronzes pas, toi? Hein? Non. T'es toujours aussi aimable, toi? Toujours aussi cossard. C'est tout ce que t'as dans ton sac? Oh, Isa, tu te laisses encore une fois détrousser. Bah, ça va, t'excites pas, Mado. Je lui rendrai son pognon. Oh, tu parles. C'est ça, l'amour. C'est pour le tiercé? Non, c'est pour le poker. Je viens de me dégoter de pigeons. Je m'en vais les plumer. Ah! T'es une peine, Mado, je te l'ai toujours dit. Allez, bronze bien. Hein? Mmh. Tu seras jolie comme ça, ça te changera. Salut la glu! Oh. Elle se laisse embobiner et elle s'écrase. Et ben moi, si j'étais à ta place... Oui, et ben t'es pas à ma place, Mado. Alors ça suffit. Dis donc, t'as vu là, on va rater l'ouverture. Tu connais? Non, pas du tout. Mais dis donc, c'est pas le bateau du fils de la réserve, celui qui a fait le tour du monde? Allez, viens.
Alors, général. Ah, chère madame Leroy. Je disais à ma femme que vous aviez fait de la réserve un véritable paradis terrestre. Oh, vous êtes trop indulgent, général. Puis le mois de septembre rend tout simplement l'endroit plus agréable. La réserve, encore la réserve, toujours la réserve, non? Général, votre cholestérol. Vous êtes la seule à avoir de l'autorité sur lui. Oh. Elle a raison, mais tout à fait raison. Mais non, mais non. Tout à fait raison. Général. Ici en maillot de bain. Alors va vite, t'habiller. Écoute, maman, devine qui arrive. Vite. C'est Christian, maman. Christian. Regarde. Va vite prévenir ton père. C'est privé ici, hein. Faut pas rester là. Quoi? C'est privé, c'est un ponton privé, barrez-vous. Maman. Oh, Christian. Oh, tenace, voilà mon fils, Christian. Je suis désolé, excusez-moi, monsieur, je pouvais pas savoir. Hein. C'est pas grave, on te paye pour aboyer, alors tu aboies. Qu'est-ce que tu es beau, tu as fourci, hein. Oh, ce que tu m'as manqué, qu'est-ce que tu m'as manqué. Toi aussi, maman. Je crois pas. Patrick. C'est une petite sœur. Oh, mon petit Marco Polo à moi. Eh ben, tu vois, j'ai tenu parole. Je suis là pour ton mariage. Ouais, t'es génial. Et moi, j'ai droit à rien. Allez. Salut, papa. Salut, mon gars. Content de te revoir. Bon, alors, tu vas nous le raconter, ce tour du monde? Bah, attends, laisse-moi le temps d'arriver. Marc, fichu la paix. Tu peux t'en ramener? Ah ouais, puis en deux ans, j'en ai ramené des choses. Venez. Tu vas bien? Très bien, et toi? En pleine forme. Comme on te voit de moins en moins à la maison, je suis venue parler un petit peu avec toi ici. Tu sais, quand j'ai fini de travailler, je suis fatiguée. T'as une petite mine. Tu viens manger à la maison dimanche? Non. À cause de Sylvain? Exactement. Puisque vous voulez pas le recevoir, ben je viens pas. Tu sais ce qu'il dit, Marcel? Je m'en fous. Marcel, il dit qu'il fait des sales trafics, que c'est un sale type et qu'il finira mal. À propos, dimanche, c'est l'anniversaire de Tanguy. Je sais, je viendrai. Combien je te dois? 145. Je compte sur toi dimanche. Au revoir.
Au revoir, maman. Je sais pas ce qui me retient de tout dire à ta mère. Fais ça, je t'adresse plus jamais la parole, Mado. Ouf. Oh, je suis crevée. Et dis donc, j'espère que t'as pas oublié mon savon à barbe. Si. Ça te réussit pas, le supermarché. Tu veux vraiment que je retrouve le sourire? Eh bien, aide-moi, au lieu de rester planté comme ça. Oh. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a qui te turlupine? C'est Isa, c'est ça? Isa? Pourquoi Isa? Va très bien, Isa. Et puis dis-moi, si vraiment on te dérange dans ta vie de vieux garçon, on peut partir toutes les deux. T'as qu'à le dire. On se débrouillera. Alors ça, hé, hey, ça fait 25 ans que tu me le sers. Non, 23. Isa vient pour l'anniversaire du gamin. Oh, et j'espère qu'elle nous amène pas son guignol, là. Bon, il n'y a même pas eu de question. Eh bien, tu vois que ta fille commence à devenir raisonnable. Dis-moi, tu m'aides, là? Ah oui, pardon. Bon. Mais c'est lourd, moi. Oui. Et tu vois, tu râles contre moi. Hein. En fait, je sais pas ce que tu ferais sans ton vieux frangin. Ah, sans lui, j'aurais peut-être trouvé un père pour Isa. Mais il n'aurait pas été aussi brave que toi. Je l'ai pas oublié, ton savon à barbe. La cherche? T'as quel sac il est? C'est pas celui que je voulais, ça, hein? Elle est bête, cette fille, hein? Vous pouvez me tenir ça? Merci. Voilà. Merci, ma petite Maryse. Ah, sacrée Maryse, hein? S'il était pas là, hein? Bah, voyons. Hein? Chère madame? Maintenant que la journée est finie, on va se taper un bon petit whisky. À ton retour, mon gars. À ta réserve, papa. Oh, ma réserve. Et est à toi aussi, la réserve. Et à nous tous. Bon, sinon, raconte-moi un peu, là. La réserve, la saison. Ah, superbe. J'ai fait un pré-bilan avec le comptable. 15% de plus que l'année dernière. Complet pendant les 6 mois. On a refusé un monde. Tu vois le fort. Hein. Quand j'aurai, j'en ferai le plus bel hôtel de la côte. Et les plans sont déjà faits, hein. Je vais te montrer. Papa, on a le temps, non? T'as raison. Maintenant que tu es revenu sur Terre, hein? Enfin, dans notre île. Tiens, madame. Parce que... Entre nous, je vais avoir besoin de toi. Voilà. Je commence à sentir l'âge, 50 berges, enfin, un peu plus. Hey, bien porté. Oui, mais je me maintiens en forme. À chaque jour, mes 100 pompes et mon petit jogging autour de l'île. N'empêche que... Mademoiselle? Ça va bien? N'empêche que une baraque pareille, pas du gâteau, hein, c'est lourd pour un seul homme. Mais à nous deux, ça va déménager. Parce que en dehors du fort, figure-toi que j'ai d'autres projets formidables. J'en ai déjà parlé au fiancé de Patricia. Je t'expliquerai. Papa, ouais. T'as pas changé, hein? Bon, on va pas tourner autour du pot. Tu sais très bien que si je suis revenu à la réserve, c'est pas pour m'y installer. Mais je sais, c'est pour marier ta sœur. Pas seulement, papa. Mon bateau a un peu souffert, alors le temps de réparer, et je repars. Ah, tu vas pas nous refaire le tour du monde. C'est une obsession. Papa, cette fois-ci, il y a une nouveauté. Je ferai à l'envers. Ça te fait plaisir, hein? Tu es libre. Tu l'as dit. Christian! Christian, mais qu'est-ce que tu fous? Je t'attends, moi. Vous allez où? Allez, vous présenter à François. Bah quoi, il serait temps, non? Allez, viens! Viens! L'amour, papa. Quel con, tour du monde à l'envers. Thank you.
consiste à me regarder comme ça? Rien, t'es un type sans sas. Tu sais quoi? Si t'étais pas mon frère, je t'épouserais. Je t'adore. Et tu sais, mon fiancé, il est pas mal non plus. Tu vois le beau mec là-bas? Hein? Et c'est lui. Félicitations. François, Christian, mon frère. Salut. Enchanté. Alors, comment c'est fait? On a passé la journée en mer. Je t'ai pas trop manqué, j'espère. Ah, si. Mais qu'est-ce que tu fais? Quelle heure il est? Bah, il est 5h du mat. Et toi, qu'est-ce que tu fous là? Moi, je t'ai attendu. Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai voulu me refaire aux cartes, je me suis rétamé. Bah ouais, mais si je paye pas le mec dans une heure, il me zigouille. Alors je m'étais dit que tu pouvais passer un peu de pognon. Oui, je sais, je t'en demande souvent. Mais cette fois, je suis sur un super coup, Isa. Je te jure, je suis sur un super coup. J'ai pas un sou, Sylvain. Y a plus rien ici, t'as tout vendu. Déconne pas, Isa, et le fric du loyer, tu le mets où? Hein? Je veux pas y toucher. Ça va, n'aie pas peur. Je vais rien te faire. Je suis sur un coup super, Isa, en ce moment. C'est le coup de ma vie. Tu peux pas me laisser dans la merde, c'est pas possible. C'est ça. Quoi, je te parle gentiment, là. Hein? Je suis gentil avec toi, non? Tu veux que je sois méchant? Tu veux que je m'énerve, c'est ça? Tu veux que je m'énerve? Pas l'argent du loyer, je veux pas y toucher! Il est où, le fric du loyer? Il faut que je donne un acompte, sinon on va se faire virer, si mais j'en ai rien à foutre de ça, tu me files le fric! Non! Il est où? Il est où? Ici. Tu vas me le dire? Non! Lâche-moi! Non! Pète le bras! Non! Je te pète le bras! Dans l'armoire! Il est dans l'armoire! Voilà, c'est pas la peine de s'énerver. C'est pas la peine de s'énerver, hein? Il faut toujours que je m'énerve pour avoir les choses. C'est plus simple comme ça. Hein? Puis je te le rendrai, ton fric. Je te le rendrai, ton fric. Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis en panne. Dis donc, c'est pas un moteur, c'est une pièce de musée. Il y a longtemps que vous roulez avec ça? Bah oui. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Vous auriez pas du feu, s'il vous plaît? Sur moi, non, mais dans la voiture, oui. Venez avec moi. Venez regarder dans le fourbi. Je suis sûr que vous allez en trouver. Merci. C'est la durite, Kenaz. Bon, je pourrais rien faire ici. Hein. Je vais vous remorquer, je connais un endroit à 3 km d'ici, on pourra vous dépanner.
J'essaye de vous dégoter une durite. La vôtre était complètement naze. Je crois que c'est là pour l'affaire. Ça vous arrive jamais de jeter un coup d'œil dans votre moteur? Dites-moi, vous êtes levé du pied gauche ce matin? Non, pourquoi? Vous tirez une de ses tronches. Ça vous arrive jamais de sourire? Ah ben voilà, c'est beaucoup mieux. Vous êtes beaucoup plus jolie comme ça. Bon, maintenant que vous connaissez l'endroit, vous saurez comment y revenir. Merci du tuyau. C'est le cas de le dire. Attention! Qu'est-ce que vous faites? Mais il y avait une flaque d'eau. Il faut regarder devant soi dans la vie. Merci. T'en es où, là? Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Ah, merci. Tu veux un coup de main? Non, ça va aller. Bon, bah, je crois qu'il a fini. Vous allez pouvoir repartir. Bah, merci beaucoup. Combien je vous dois? Rien du tout. Montrez-moi seulement vos yeux. Je déteste les femmes qui cachent leur regard derrière des lunettes. On peut se revoir? Non, mais pourquoi? Merci beaucoup. Mais pourquoi? Parce que moi, j'aime pas les hommes qui cachent leur timidité derrière de la muflerie. Merci. Avec ses lunettes? Rien. Je vais voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Merci, vous prétendez travailler avec des lunettes de soleil? Elle a une conjonctivite, c'est tout. J'ai une conjonctivite, ça arrive, non? Pas de lunettes de soleil. Vu? Qu'est-ce que je vais faire, Mado? T'occupe pas. Assieds-toi là. Et moi, je vais m'occuper de toi, hein? J'ai toujours rêvé de faire esthéticienne. Allez, retire-moi tes binocles. Eh ben, dis donc. Il t'a pas loupé ton zigoto, hein? Bon, bouge pas. Je te ferai pas mal. Je vais te dire une bonne chose. Eh ben, moi, si un bonhomme ose élever la main sur moi, eh ben, je lui couperai les roustons. Vite fait. Tu peux pas comprendre. Si, t'es complètement maso. Non, je suis pas maso. Mais Sylvain me fait peur, il est tellement violent. Mais t'as qu'à te tirer. Ça servira à rien, il me retrouverait. Eh ben alors t'aimes ça, c'est tout. Non, j'aime pas ça. À mon avis, en te laissant cogner, tu cherches à te faire punir de quelque chose. Qu'est-ce que tu vas inventer, là? J'ai lu ça dans un journal, c'était un psychologue, eh ben il sait de quoi il cause. Mon sac? Qu'est-ce qu'il y a? Mon sac? J'ai perdu mon sac, Mado. Alors, vous l'ouvrez, ça casse. En deux secondes, monsieur Berthier! Allez! Oh, c'est pas possible! Bah, tu l'as peut-être oublié au vestiaire? Hein? Allez, je reviens. À tout de suite. Merci, Mado. Faites là, mon petit Pierre. Monsieur Marc. Alors, docteur, un petit malaise cardiaque. Je vous avais prévenu, mon vieux, vous bouffez trop, vous picolez trop. Vous lui avez fait une ordonnance? Je le fais hospitaliser immédiatement. Mais n'en est pas question, j'ai besoin de mon chef, moi. Enfin, Marc. Mais quoi, le restaurant est plein. Comment je vais me débrouiller? Ah, patron, excusez-moi pour les ennuis que je vous cause. Non, mais je vous en veux pas, Pierre, mais
Je suis sacrément emmerdé. Non, non, on a téléphoné à l'ambulance maritime, ils vont arriver là. Vous voulez pas l'allonger là dans mon bureau? Non, je vais rester avec lui, il vaut mieux qu'il reste assis. Ça va? Mais bon Dieu, je vous répète qu'il me faut un chef qui est de grande référence. C'est pas une gargote ici. Je vous assure, monsieur, j'ai tout essayé. J'ai téléphoné partout à Beaulieu, à Antibes, je n'ai rien trouvé. Ne laissez pas tomber, faites quelque chose. Mais je veux bien, mais je peux... Montecar, vous avez appelé Montecar? Oui. Oh, et puis démerdez-vous. Oh non! Tu as trouvé quelqu'un? Du tocard. Tu as appelé le Ritz? Oui, j'ai eu Minot, ils peuvent pas me dépanner, ils sont débordés. Bref, c'est la merde, quoi. Mais le chef en ce qu'on est très bien. Non, il est pas à la hauteur. Ah, dis donc, Pierre, il aurait pu choisir un autre moment pour se payer un infarctus. J'ai une idée. Oui? Quoi? Tu vas mettre une jolie robe, je t'emmène dîner ce soir. Quelle surprise. Il y a des siècles que tu n'avais pas été comme ça. Avec que ça saute. Paul. Ce soir, je suis pas là. On a du monde. Je compte sur vous. Hein. C'est la 7? Non, non. Arrête. C'est la 80. Tu viens souvent ici? Non, j'ai amené une petite, une fois ou deux. Une petite? Non. Pas mal. Tu veux vraiment mon opinion? Vas-y, vas-y. C'est meilleur qu'à la réserve. C'est tout à fait ce que je pense. Pourquoi cette fête? Ah, c'est pour toi. Quelle merveille! J'ai tenu à marquer dignement notre 10e anniversaire de divorce. Avec une pierre blanche. Ah oui, oui. 10 ans déjà. Et au fond, je nous admire d'avoir réussi à nous séparer sans bagarre, sans mesquinerie. Nos deux enfants n'ont pas souffert. Ni le troisième. Quel troisième? La réserve. Ah oui, oui. À tes petites. À toi. Excès, tu sais pas? Je reviens. Vite. Monsieur, bonsoir. Ça va? Alors? Vous avez réfléchi depuis hier? Elle a pris bille en tête, il faut encore que je réfléchisse. Et quand la chance se présente, il faut savoir la saisir. Hein. Et puis j'étais bien ici. Oh, à côté de la réserve, c'est un boui-boui. Ça me flanque le trac. C'est normal. Ça prouve que vous êtes un artiste. Mmh. Et pourquoi moi? J'aime bien donner leur chance aux jeunes qui ont du talent. Alors? Et puis j'étais bien payé ici. Je te donne le double. J'avais un contrat. Je paye le Didi. Marié? Non. Petite amie? Que des plats du jour. Parfait. Alors? Le patron va être furax. Et moi content, et toi content. Quand on est chef de cuisine à la réserve, on a l'avenir devant soi. Elle est top là. Ben voilà. Messieurs, bonsoir. Attention la tête. Ah oui, merci. Bon, alors on est d'accord. À demain. Tu as débauché le chef? Elle a pas fait un pli.
Ça va me coûter la peau des fesses, mais il faut savoir investir. Tu as réglé? Bien sûr. Tu as gardé la facture pour les frigos? Évidemment. Si tu n'existais pas. Faudrait que je m'invente. Alors, le nouveau chef commence de... Voilà le patron. Madame Charrière, monsieur le roi. C'était parfait. Très bien. Votre chef est une perle rare. On va essayer de vous le piquer, mon vieux. Mais on le garde, ne le faites pas pour ça. Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs dames. Bonsoir. À bientôt. Tu changeras jamais. Toi non plus. Ton découvert devient impressionnant. Hein? N'importe quelle banque commencera à s'inquiéter. C'est bien pour ça, je reste chez toi. Ah ouais. Merci, le cadeau. Comment, mon problème, c'est que la réserve, c'est trop petit. Il faudrait que je m'agrandisse. Je doublerai les recettes et puis je serai sorti d'affaires. Toi, tu penses toujours au fort. Oui, bien sûr, je pense toujours au fort. J'ai encore eu Arnaud la semaine dernière au téléphone, il veut rien savoir ce qu'on a. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Ouais. Oula. C'est ce que je crois, moi. Il faudrait des capitaux frais. Quoi? Ah non, je veux pas qu'un étranger en ait mon affaire. Bah, on n'est plus au 19e siècle, mon vieux. Peut-être, mais je veux rester maître chez moi. Je veux avoir de compte à rendre à personne. Têtu, hein. Bon, oh, t'inquiète pas, hein. Le mariage de Patricia va arranger tout ça. Mais tu pourras pas disposer de l'argent des Kissa qui aura un contrat de mariage. Oh, absolument pas. Communauté de biens. J'ai réussi à persuader la grand-mère que ses enfants savent d'or et qu'il faut pas gâcher leur bonheur par des considérations sordides. Et elle a accepté. Mais comme un seul homme. Ah, bah, c'est drôlement fort. Ah ouais, tu crois? Bon, ben, mon vieux Jean-Philippe, merci pour tout. Et dis donc. Hélène m'a dit que tu l'emmenais au concert ce soir? Oui. Pourquoi vous mariez pas tous les deux? Parce qu'elle ne le veut pas. Ben, oblige-la! Ah, ben, tu connais Hélène. Elle se marierait. Elle aurait l'impression de te trahir. Ah, oui. Allez, salut. Salut. Pour ta voiture, là... Les traites, je sais. Les bancs. Bonjour, monsieur le baron. Bonjour. Vous avez fait bon voyage? Excellent, mon nouveau chef. Mon cœur merveille. Et monsieur le roi, vous avez vu mes nouvelles infirmières, comment les trouvez-vous? Oui, elles ont l'air tout à fait compétentes. Vous me suivez jusqu'à l'hôtel? Mais avec plaisir, chère madame le roi. Allez, venez, venez. Suivez, allez, allez, venez, venez. Bon, tu installes le vieux, j'arrive. Christian! Salut, papa. Non, mais tu te rends compte du potin que tu fais? Tu emmerdes tous les clients, mon vieux. Oh, t'exagères, c'est bientôt fini. Écoute, je te rappelle que les gens viennent ici pour fuir le bruit et pour se reposer. Hein? Tiens, bah, parlons-en un peu du bruit. Avec tout le boucan qu'ils font avec leur hors-bord, leur jet-ski et compagnie. Quant à se reposer, c'est ce qu'ils font toute l'année. Tu craches dans la soupe, hein? Laisse-moi te rappeler une chose, papa. Mon tour du monde, je l'ai fait sans demander un rond à personne. Bah, si t'avais voulu, je t'aurais financé. Tu oublies que si je suis parti, c'est parce que je voulais mon indépendance. Oui, on sait. Bon. Mais le passé, c'est le passé. Écoute, je suis d'accord pour financer la remise à neuf de ton voilier. Je connais une très bonne boîte à Toulon. Hein? C'est sympa. C'est sympa, mais je préfère le faire moi-même. Alors fous le camp d'ici! Papa. Papa. Bon, je voulais dire, va jouer un peu plus loin, tu dérangeras personne. Ok. Ah, dis donc, en fait,
J'ai trouvé ça dans le 4x4. Ce serait pas une petite que tu aurais levée vite fait par hasard? C'est possible. Fais voir. C'est une brune, c'est une blonde, c'est une rousse? Elle est chauve, fais voir. Ah, c'est intéressant ça. Nous allons en causer ensemble. Vas-y, fais passer. Vas-y, putain, mais quel con, il lui redonne, quel con. Je le crois pas. Oh, il y a touche là. Allez, vas-y, envoie-la. Voilà, c'est bien. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout, cet arbitre de merde. Vas-y, récupère. Bien. Vas-y, fais passer, mais puis. Vas-y, fais passer, tu vas au but. Tu vas au but, je te dis, tu vas au but. Vas-y, but. Ils ont marqué un but. Oh, on a gagné. Ils ont gagné. Non, c'est mon équipe. On a gagné, ça. C'était ton équipe, Sylvain. Mais attends, qu'est-ce que tu t'imagines, hein? Que si j'avais pas eu mon accident de moto, je serais ici? Non, je serais pas ici, j'aurais mon appartement, j'aurais ma voiture. Je serais pas ici à m'emmerder avec toi, parce que je me fais chier avec toi, Isa, je me fais chier. Présager un excellent début de saison pour l'équipe de Toulon, alors qu'on revoit sous un autre angle le formidable Boulet, voyez. Et là, on aperçoit pas... Sylvain! Tu peux pas baisser la télé, je peux pas travailler. Non mais attends, je rêve là. C'est toi qui me fais chier depuis tout à l'heure avec ta musique de merde. Qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'ils vont te faire venir à la télé? Mais ils vont te jeter, ma pauvre fille, ils vont te jeter. C'est pour mon plaisir que je compose. C'est pour mon plaisir que je compose. Tu composes quoi? Tu veux me dire ce que tu composes? Hein? Tu ferais bien de faire attention parce que ça va te monter à la tête. Tu vas faire un accident du cerveau, Isa. C'est très dangereux pour toi. Elle compose. On a un génie dans la maison maintenant. J'hallucine. J'hallucine. Allez, va chercher à bouffer, tu m'as donné faim avec tes conneries, là. J'ai pas d'argent, j'ai perdu mon sac. Quoi? J'ai pas d'argent, j'ai perdu mon sac. Attends, j'ai pas bien entendu, là. Tu peux répéter? T'as perdu ton sac. Il y avait toutes mes économies dedans. Ah, parce qu'en plus, maintenant, tu planques du fric? Parce que je veux pas que tu claques tout ce que je gagne au poker, aux courses, avec tes copains. Si j'avais un boulot, je déconnerais pas. Mais tu refuses tout ce qu'on te propose. Je bosserai jamais pour des clous, moi, t'entends? Mais je le fais bien, moi. Oui, mais toi, tu le fais, mais toi, t'es une minable, une ringarde, une ratée. Eh ben alors, avec toi, on est deux. Tu te calmes! Tu te calmes, Isa, hein? Tu te calmes, je veux pas te faire de mal, alors tu te calmes, ok? Y'a quelqu'un? S'il vous plaît? Madame? Oui? Je voudrais vous parler. Excusez-moi de vous déranger, je cherche une demoiselle brune. Mademoiselle Mercier. Oui, Isa Mercier. Oui, c'est ça. Oui, monsieur. Elle loge chez moi au premier étage. Alors vous passez par là et vous allez là à droite. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Bonsoir. Ça fait 100 fois que je te le dis, putain, mais pourquoi tu m'écoutes pas quand je te parle? Quand t'étais Miss Côte d'Azur, on t'a proposé de faire des photos de moi. T'as jamais voulu. Jamais. Ok, faut coucher avec un mec de temps en temps pour du pognon. Mais qu'est-ce que ça fait? Je suis pas jaloux, moi, Isa, je suis pas jaloux. Tu fermes les yeux et hop, tu penses à rien. Tu penses à autre chose. Et moi, je ramasse la monnaie. T'en as pas marre de vivre ici? Regarde où on vit. Regarde où on vit, t'en as pas marre. On pourrait avoir une belle vie et tout. T'es d'accord, Isa? T'es d'accord? Jamais. Jamais. Tu feras ce que je te dis, t'as compris? Tu feras ce que je te dis, je t'explose la tête si tu fais pas ce que je te dis. Jamais! Je te défonce la tronche, t'entends? Je te défonce la tronche! Jamais! Je t'éclate la tête! Jamais! S'il vous plaît! Ouais, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est pourquoi on n'a pas besoin de représentants ici, on a tout ce qu'il nous faut. Mademoiselle Mercier, Isa Mercier, son sac. On peut dire que vous tombez bien, vous, hein? Bah, montez. Non, merci. Bah, si, montez. Non, je vous en prie, ça va. Allez, venez, faites pas votre timide. Isa! Regarde ce qui nous arrive. Regarde, on a ramené ton sac. C'est monsieur qui le rapporte. Vous l'avez trouvé où? Dans la rue. Tu vois comme tu es étourdie, ma chérie. Ça fait 100 fois que je t'ai dit de faire attention à tes affaires, hein? Rentrez, on va arroser ça. Non, merci, j'ai pas le temps. Attendez, on va au moins vous récompenser. Non, ça va, c'est pas la peine. Vous êtes sûr que tout va bien? Oui, ça va. Dis au monsieur que ça va. Vous voyez, tout va bien. Je vous raccompagne pas, vous connaissez le chemin. Bonsoir. Bonsoir. Bah voilà. Tu
que ça arrange. Sympa, le mec, là. Hein. Tu sais ce qu'on va faire, maintenant? Hein? On va fêter ça. Hein? D'accord? Lâche-moi! Lâche-moi! L'amour éternel, Dieu.